A continuación, tengo el placer de presentarles a Jean Gondet. Jean Gondet es ingeniero agrónomo, especialista en fitopatología e ingeniero forestal del Ministerio de Agricultura francés. Se especializó inicialmente en el cultivo de los hongos aprobios, para pasar después al estudio de Boletus, a su ecología y a su valoración económica en el macizo central francés. Actualmente coordina el proyecto Micosilva, junto conmigo en este caso, y trabaja en el desarrollo de nuevos proyectos de cooperación interterritorial entre países mediterráneos sobre biodiversidad, multifuncionalidad, el bosque y las setas comestibles. Es un placer dejaros con Jean. Tengo que decir que es una persona entrañable, muy especial, con el que, como os comentaba anteriormente, pues estamos realizando una gran cooperación. Muchas gracias, Jean. Esto es peligroso de abrir, ¿eh? Nos la jugamos. Et bonjour à tout le monde. Donc je vais parler en français et donc assez lentement pour que la traduction soit facile, peut-être. Et donc, merci de votre participation et merci à Fernando de la présentation. Il y a un proverbe qui dit « toujours content mais jamais satisfait ». Et donc, c'est un bon proverbe, je pense, pour ce projet. Je ne suis pas totalement satisfait de ma présentation parce qu'à mon avis, il va me falloir encore 2 mois de travail pour arriver vraiment à proposer, avec les amis qu'on travaille ensemble, pour proposer vraiment une synthèse des résultats. Dans ces projets qui durent 2 ans, on se dit toujours qu'il manque une troisième année, dans l'idéal, pour synthétiser les résultats. Donc heureusement, la fin officielle du projet, c'est fin juin, mais on a tout l'été en réalité pour peaufiner les résultats. Et puis on parlait d'un manuel de mycosylviculture tout à l'heure, transnational. Ce manuel, on mettra un PDF, un format PDF sur le site à la fin juin, qui sera amélioré fin août. Et ensuite, on prend 2-3 mois pour encore améliorer et ensuite aller voir l'éditeur qui est prévu, le premier éditeur français. En gros, il y aura une édition papier qu'on peut programmer pour dans une année à peu près, de manière à avoir quelque chose de vraiment fini. Donc on aura bien notre troisième année. Dans le programme, il n'était pas prévu de faire un document papier, donc tout va bien, on respecte le programme, mais un document PDF donc sera disponible. Et en particulier pour présenter les résultats qui ont été obtenus sur le réseau des territoires forestiers mycosylvo-démonstratifs. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais présenter une petite partie de ces résultats. Donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de présenter un petit peu, pas tant les résultats que la démarche qui nous a conduit à proposer ces territoires de mycosylvo-démonstratifs, la démarche qui a été engagée et qui d'ailleurs va continuer, on l'espère, dans les années à venir sur ce réseau. Donc Fernando vous l'a dit avant, il y a des territoires mycosylvo-démonstratifs, on a donné ce nom-là, qui sont répartis en fonction de l'appel d'offres du projet. On a essayé de représenter tout l'espace sud-ouest du projet, depuis la région Limousin, en France, au nord, où vous avez un petit carré, et puis jusqu'à l'Alentejo, au Portugal, donc on a une assez bonne représentation. Et pareil, de l'ouest à l'est, de l'Espagne et du Portugal. Voilà. Donc, très rapidement, un exemple sur une des parcelles, un exemple de document synthétique,
parmi les documents qui sont élaborés. Ça, c'est français, on a des documents totalement équivalents en Espagne, au Portugal. Donc tout ça sera disponible à la fin. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail de mise en forme, de résultats, mais tout ça n'est pas encore... tout n'est pas encore disponible définitivement. La question sur un des exemples, par exemple en France également, dans les Pyrénées, donc c'est le territoire sur lequel je travaille un petit peu plus précisément, en dehors de la coordination, avec les amis des Hautes-Pyrénées qui sont dans la salle. La question qui s'est posée entre nous, et ça fait partie de la réflexion sur ces parcelles démonstratives, ces areas micro silvo démonstrativos. Qu'est-ce que ça signifie, areas? Quelle est la taille, l'échelle qui est intéressante pour pouvoir démontrer finalement la micro-sylviculture? Et donc là, on a un exemple de trois échelles de territoire, et on a les mêmes exemples, donc sur tous les territoires qu'on étudie en Espagne et au Portugal, on a essayé de définir des territoires comme ça, des tailles de territoires qui soient bien représentatives. Donc ça va de la petite parcelle verte que vous voyez, toute petite, qui fait à peu près un hectare, c'est toujours le cas dans les 18 cas, on va dire que c'est à peu près ça. Et vous avez un territoire un peu plus vaste tout autour, qui va représenter ici une petite vallée, par exemple. En gros, là, il y en a deux petites vallées, il y en a une de trop, peut-être faudrait en garder qu'une. Et puis, il y a enfin un territoire qui correspond à un massif forestier d'une commune. Et donc, on souhaite donner des renseignements aux gestionnaires. Et donc les gestionnaires, ça peut être quelqu'un qui s'occupe d'un hectare, ça peut être quelqu'un qui s'occupe de 100 hectares, ou de 2000 ou 3000 hectares. En l'occurrence, ici, c'est 1500 hectares, la forêt de la commune. Voilà, donc on souhaite travailler à ces différentes échelles, donc pour tout le monde, et peut-être en donnant des résultats, bien sûr, différents. Un intervenant nous expliquera tout ça en détail, d'ailleurs, un petit peu plus tard, cette notion d'échelle. Donc je reprends juste un ami de Navarre, là, qui est en bas. Il y a plusieurs photos, hein, c'est un peu confus, il y a trois panneaux. Bon, ça veut illustrer la multiplicité des sites et ces panneaux qui ont été faits un petit peu partout pour expliquer le projet aux visiteurs. Alors, la fonction des parcelles Micosilva, c'est ça qui nous intéresse peut-être aujourd'hui de réfléchir. Il y a trois fonctions, on va dire. La première, c'est celle-ci. C'est finalement, avant d'installer des parcelles de démonstration de la micosylviculture, encore fallait-il et encore faut-il aujourd'hui savoir qu'est-ce qu'on entend par micosylviculture, ce terme un petit peu compliqué qui met en avant les champignons. Ça prête peut-être à confusion parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on met en avant les champignons qu'on oublie les arbres et qu'on oublie d'autres facteurs. Donc il y a une question d'une définition qui est très importante à notre avis. Donc pour inventer cette micosylviculture, c'était la question des comités scientifiques et comités régionaux. Et c'est une question bien sûr qui est en cours et avec peut-être des participants là, qui sont ici aujourd'hui, on sera content d'échanger dans l'avenir évidemment sur cette question. Qui est ouverte pour tout le monde, bien sûr. Donc la deuxième fonction, c'était de diffuser les connaissances qu'on avait pu réunir pendant 2 ans. Diffusion, vous voyez une espèce d'image du futur livre international là, qui est là-bas, qui n'existe pas donc tout à fait encore. Et puis, troisième fonction qu'on a définie au cours du programme, on ne l'avait pas formulée forcément d'ailleurs au départ, puisque ça n'est pas un programme de recherche, on l'entend bien. Donc quand on écrivait le programme avec tout le monde, là, on a bien pris garde de ne pas dire que c'était un programme de recherche, alors que, bien sûr, dans l'idée, on avait l'idée qu'on allait construire quand même un dispositif de recherche. Voilà, donc on reprend, on a A, B, C, on a trois fonctions, on reprend la première. Donc inventer la micosylviculture, il y a trois étapes, en quelque sorte. Il y a définir bien la notion de micosylviculture. Ensuite, il y a trouver une démarche qui permet de faire de la micosylviculture. Donc, faire de la micosylviculture, c'est bien sûr aménager, gérer, mais c'est avant cela savoir diagnostiquer une forêt, faire un diagnostic sur une forêt du point de vue non pas seulement des arbres, on va dire, mais également des autres éléments qui sont importants dans l'écosystème.
pour nous en particulier, et donc qui sont les champignons et qui sont, vous le verrez aussi, le sol. Qu'est-ce qu'on entend par le sol? Et en troisième, donc une démarche, plus des méthodes d'observation qui doivent être utilisables par les gestionnaires, donc c'est pas si facile que ça. Ça demande encore un bon travail d'affinement, de précision, de recherche. Et puis, enfin, des propositions de gestion microsylvicole qui viennent à la fin. Donc, rapidement, parce que ça va être débattu, mais la microsylviculture, qu'est-ce qu'on entend? Alors, plus ça va, plus dans le programme, on a été amené à mettre la biodiversité en premier. On était au Maroc avec les amis pour présenter Mycosylva il y a pas longtemps, un congrès mondial sur les champignons comestibles, et le concept a beaucoup plu de dire, bon, une forêt existe de toute façon, pourquoi? Parce que c'est de la biodiversité, une forêt, donc bien sûr il faut s'occuper de la biodiversité en tout premier. C'est pas une production de la forêt, la biodiversité, comme on le voit dans certains manuels sylvicoles. C'est ce qui existe en tout premier. Donc s'intéresser à la biodiversité en tout premier. Et dans cette biodiversité, il y a deux sortes. Il y a des plantes et il y a des champignons. Et donc, certaines plantes, on les produit, c'est les arbres, et certains autres organismes, on les produit, ce sont les champignons. Voilà, c'est un petit peu le... Alors, on peut essayer de schématiser les choses, et quand on essaye de décomposer, en quelque sorte, de manière arbitraire, l'écosystème auquel on s'intéresse, peut-être on peut distinguer, pour des raisons stratégiques et pratiques, quatre compartiments. Peut-être certains, on les oublie. Peut-être, certaines fois, on ne pense qu'au premier compartiment vert. Peut-être on oublie la biodiversité fongique dans les aménagements. Peut-être on oublie un peu la matière organique également. Qui peut, voilà, c'était pour dire ça. Et bien sûr, cette biodiversité végétale et biodiversité fongique, ça produit des éléments qui sont intéressants d'un point de vue économique, qui sont donc le bois, les champignons. Et l'idée, c'est que aux gestionnaires, on leur dit, voyez, vous avez deux productions qui sont, d'un point de vue économique, en synergie, parce que les charges du forestier pour les pistes forestières, les coûts de l'aménagement forestier pour produire des arbres, en réalité, on peut aussi les financer par les champignons. Donc nous, on tient un discours comme ça. On ne leur dit pas que dans les Pyrénées, par exemple, un hectare de forêt produit 4 mètres cubes de bois. Ça ramène 50 euros à l'hectare par an. Ça correspond à 3 kilos de champignons seulement, alors qu'il y en a 10 kilos de champignons par hectare, en moyenne sur toute la forêt. On évite de dire ça parce que c'est un peu provocant. Par contre, dire que les charges, elles sont communes pour les arbres et les champignons, voilà un discours qu'on tient, et je pense que c'est la réalité en plus. On a des champignons dans les forêts gérées principalement. La gestion est très importante, en particulier pour les cèpes par exemple, pour les lactaires aussi, les amis de Catalogne l'ont bien montré, la gestion favorise les champignons comestibles. Donc les deux produits peuvent... voilà. Alors, l'idée, donc, de manière schématique un petit peu, ça permet d'illustrer le type de document pédagogique qu'on essaye de réfléchir petit à petit. Les champignons comme interface entre le sol et les plantes, ça a été présenté par Marie-France hier, et ça sera représenté par d'autres intervenants, dont Laurent. Et donc, au final... La question, c'est peut-être, quand on parle de gestion d'un écosystème, peut-être il y a trois éléments à gérer. Voilà, Laurent Rigoud nous présentera l'histoire de la gestion du sol en particulier. Alors, la deuxième chose, inventer la démarche. Alors, la démarche, c'était... Alors, on a bien débattu, c'était très intéressant entre nous, et peut-être on va débattre encore sur quels critères doit-on prendre pour analyser un écosystème forestier du point de vue de la mycosylviculture. Et ensuite, quelles techniques on va utiliser pour analyser ces critères. Et ensuite, pour arriver finalement à comprendre les interactions qu'il y a entre les différents facteurs. Alors, prenons un exemple du Portugal, à l'Alentejo, à Montevento. Et donc, on a une certaine équipe qui est au travail. Là, on a des... En l'occurrence, on a des Portugais et des Français, dont certains sont dans la salle, peut-être ils se reconnaîtront. Et voilà les éléments sur lesquels on s'entend à peu près en ce moment, mais ça va évoluer sans doute. Mais pour l'instant, à la fin du projet, on va dire qu'on en est là. Peut-être dans 2 mois, on aura modifié un tout petit truc, mais en tout cas, on en est là. Donc, les peuplements d'arbres, bien sûr, etc. Vous lisez les choses, je pense que tout le monde comprend.
À peu près. L'habitat naturel, ça fait référence aussi à la question botanique, parce qu'il y a une analyse de la flore aussi, hein, qui est faite. L'habitat, bon, c'est une notion plus complexe qui prend tout en compte. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer à la fin d'imaginer les interactions qu'il y a entre tout ça. Alors, ça sera impossible dans la présentation de présenter les résultats de ces interactions. Ça sera présenté justement dans les documents déjà fin juin, et puis vous verrez tout ça, tout ce qu'on a pu ressortir de cette analyse des différentes parcelles. Alors, des exemples rapides, des peuplements d'arbres. On a fait participer à une petite société là, très, très active là, qui s'appelle Alcina dans cette affaire-là pour produire des documents. Dans des documents simples que tout le monde utilise en sylviculture, etc., mais aussi des choses un petit peu plus nouvelles, modernes, bon, qui sont applicables pas à grande échelle, mais qui sont applicables sur des parcelles où on va faire de la démonstration pour des étudiants. C'est très intéressant d'avoir des différents types de documents pour interpréter l'écosystème. Par exemple, dans le document à droite, vous avez les zones ouvertes et les zones plus fermées. Et après, on pourra voir si dans ces zones ouvertes, il y a plus de champignons, par exemple. Et puis, vous avez les plages de régénération en orange qui sont positionnées par rapport à ces zones d'ouverture, etc. On peut comprendre beaucoup de choses. Il y a des outils aussi très simples qui permettent, là, en l'occurrence, le stratiscope, ça permet de voir aussi les zones fermées, les zones ouvertes. Comme on sait qu'il y a une très forte relation avec les champignons comestibles, par exemple, hein, et puis aussi avec la croissance des arbres. On peut comparer ensuite des écosystèmes en comparant des diagrammes, là, comme ça, rapidement, pour voir, essayer de voir si on a des peuplements qui sont plus ouverts, plus fermés. Pour le détail de ça, je vous laisse le découvrir dans les documents qui seront sur le site. Hein, quelque chose qui nous intéresse, c'est la biodiversité. Alors, on a eu la participation d'un représentant d'une équipe qui travaille sur cette histoire de biodiversité, qui ont inventé une espèce d'indice, qui sont en train d'y travailler, un indice de biodiversité potentielle qui prend en compte 10 éléments, et on peut noter la présence ou l'absence ou l'importance de par exemple les très gros bois, les très gros bois vivants, les très gros bois morts, etc., qui sont des sièges de biodiversité. Donc c'est intéressant d'avoir ça, parce qu'après ça permet, en regardant différents facteurs, de donner une note de biodiversité globale. Et puis c'est très pratique, c'est très rapidement fait, donc on débat de l'intérêt de ça pour estimer la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais c'est difficile de l'estimer. Alors il y a des documents qui seront sur le site qui permettront de bien comprendre ces différents outils. L'idée de comparer aussi les habitats naturels avec une végétation naturelle et avec les peuplements très aménagés, et donc voir la relation, par exemple, entre la fructification des champignons, comme les cèpes, par exemple, Boletus sedulis, dans les forêts très gérées ou les forêts plus proches des habitats naturels. Le sol. Donc, sur le sol, un exemple de documents qui sont produits. Voilà. Le climat et le climat du sol, une présentation parlera plus loin, donc je ne détaille pas. Juste des types de documents, ils ne sont pas vraiment bien choisis, mais disons qu'il y a plein de façons de valoriser le climat, en particulier par rapport à la fructification des champignons comestibles. Il y a beaucoup d'informations là-dessus qui seront sur le site. Il y en a juste une qui est remise en bas à droite, qui est une relation que vous connaissez parfaitement déjà, qui est la relation entre la fructification et la pluie. Donc l'écophysiologie des champignons comestibles, c'est donc aussi bien les cèpes, mais que les Lactarius deliciosus, du groupe deliciosus, aussi les truffes. Bon, on essaye de faire, pendant ces 2 ans, on a essayé de faire un petit point sur ce qu'on savait de l'écologie, et ça sera présenté aussi. Les communautés fongiques. Un petit extrait d'un diagnostic sur ces communautés fongiques. L'idée est d'essayer de proposer des aménagements qui ne valorisent pas que les champignons comestibles, mais qui aussi préservent l'ensemble des communautés fongiques. Ça nous paraît très important
pour asseoir une sylviculture durable. Jean Garbaille en particulier nous a présenté ça hier, l'importance de la diversité fongique. Le contexte socio-économique, bien sûr, puisqu'après, à la fin, on doit arriver à des objectifs de gestion. Donc là, c'est un exemple de forêt à Soria, qui est représentée ici, donc avec des petits personnages qui sont en train de cueillir des champignons. Vous connaissez le contexte, l'élevage, le bois. Donc comment on fait le... On comprend la synthèse entre des objectifs qui sont parfois un petit peu contradictoires en apparence, comment on arrive à intégrer tous ces éléments. Et la suite, c'est tous les travaux donc, d'interprétation des interactions entre les facteurs. On ne peut pas ici présenter tout ce qu'on a comme résultat. Juste un petit schéma pour illustrer ce type d'interaction qu'on peut avoir. Et une fois qu'on a interprété les interactions, on peut se poser aussi la question de la modélisation, c'est-à-dire comment on transfère les résultats qu'on a eus sur des petites parcelles, par exemple, comment on peut en déduire des applications, des interactions sur un territoire vaste. Par exemple, quelle est la relation entre l'exposition, donc le rayonnement solaire peut-être, et la fructification des champignons. Donc ce travail de modélisation est fait chez les différents partenaires et on va essayer de présenter ces différents travaux de modélisation le mieux possible dans nos ouvrages là, définitifs. Ça sera présenté tout à l'heure aussi, ça. Donc finalement, les propositions de gestion mycosylvicole, donc, elles sont faites sur les, on va dire, les 18 territoires myco-sylvo-démonstratif. Donc là, j'en présente juste un qui a été mené dans les Hautes-Pyrénées, toujours. Donc une parcelle d'un hectare à peu près, un petit peu plus, qui est étudiée. Alors, il y a trois précédents. Je m'aperçois que j'ai oublié un des facteurs, c'est l'histoire, l'historique des peuplements. Je l'ai oublié, c'est très important, ça étudie à chaque fois. Le même peuplement, en fait, il est issu de trois précédents différents. Une ancienne vigne, en rouge, une ancienne châtaigneraie à gauche, et puis un taillis en vert clair. Aujourd'hui, ça, tout se ressemble, mais quand on analyse l'histoire, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout les mêmes origines. Et il se trouve que les Boletus edulis sont surtout sur l'ancienne vigne. Alors bien sûr, il y a le précédent, il y a peut-être aussi l'exposition, parce que c'est très bien exposé, dans la partie où vous voyez les petites triangles rouges, qui correspondent aux fructifications de... Voilà. Alors, le travail qu'on fait ici, c'est un travail, finalement, de marquage des arbres à éliminer. Et le principe retenu ici, c'est de désigner donc des arbres objectifs et puis d'éliminer simplement les arbres dont les houppiers, dont les sommets gênent les arbres objectifs, hein, vous connaissez. Donc, ce qu'on appelle un détourage. On simplement dégage les arbres objectifs. Et le reste, au milieu, on laisse. Et donc, quand on a dégagé les arbres, ça fait des puits de lumière et des puits pour la pluie, des entrées pour la pluie, pardon, et ça permet de favoriser la fructification des champignons. Pardon. Et entre les deux zones ouvertes, on garde une zone fermée qui permet de maintenir des habitats différents. Donc c'est très important pour la fructification des champignons comestibles aussi, la préservation. Et c'est important pour la biodiversité, à nos yeux, dans ce type de peuplement. Et en même temps, les arbres qui sont dégagés sont des arbres d'avenir qui ont une valeur intéressante en termes de bois. D'habitude, dans cette zone-là, on fait une coupe rase pour faire du bois de pâte à papier. Donc là, on est vraiment sur un projet ou de démonstration comment on fait du bois de qualité, comment on fait des champignons, comment on maintient la biodiversité. Voilà. Donc ça intéresse beaucoup de propriétaires agriculteurs dans la zone où c'est fait. Voilà. C'est un territoire où ils ramassent beaucoup de champignons. Ensuite, la deuxième fonction, c'est plus rapide pour la suite, je vous rassure. Diffuser la mycosylviculture. Donc le principe un petit peu, c'est déjà diffuser les connaissances scientifiques. Parce que très souvent, quand on a un public qui arrive en formation, soit les gens connaissent la production de bois, soit ils connaissent la production de champignons, et parfois vous tombez sur des spécialistes ou des gens très intéressés par la biodiversité et qui se moquent complètement du bois ou des champignons. Et le principe, c'est de les amener à la fin, bien sûr, à
à une connaissance synthétique globale de la forêt, avec aussi ses fonctions de production. Bon, c'était schématisé comme ça. Et aussi, bien sûr, par rapport aux gestionnaires qui viennent, on a déjà reçu donc nombre de gestionnaires sur différentes parcelles. Eux, ils viennent, ils sont très contents de ce qu'on leur explique, mais ils veulent pouvoir faire la même chose chez eux. Et c'est là où se pose la difficulté, vous savez ça avec les gens techniciens forestiers, par exemple. Parfois, ils demandent des recettes. Comment on fait ? On ne peut pas dire, vous savez, la complexité du système. Donc, l'idée, c'est bien de, non pas de transmettre des recettes, mais de transmettre une méthodologie pour comprendre l'écosystème, pour comprendre les interactions. Et à ce moment-là, on peut transposer. Sinon, c'est impossible. Donc, c'est bien sûr l'enjeu. Hein, on a vu ça hier pour les truffes. Hein, l'ingénieur, là, il nous disait bien, c'est difficile de donner une recette. Bon, c'est évident. Hein. Et troisième et dernière fonction, avant de conclure, c'est définir des pistes de recherche. Donc, l'idée, c'est que, bien sûr, en faisant ce travail-là, on répondait à l'objectif du programme qui était de construire un outil de démonstration de la mycosylviculture. Mais on profite de l'occasion, on a des éminents scientifiques, pour se dire, bon, finalement, qu'est-ce qui manque dans l'état actuel? Il y a eu très peu d'argent, par exemple, investi sur Boletus edulis, finalement, qui est un champignon qu'on rencontre partout dans le monde et qui a des productions considérables. Finalement, qui travaille sur Boletus edulis? En France, il n'y a personne maintenant, par exemple. Donc ce programme-là est bien l'occasion de dire aux gens, bon, écoutez, c'est très important, les champignons comestibles, donc il faut investir, mais il faut donc, on en profite pour définir des pistes de recherche. Alors, j'ai listé ça, il faudrait qu'on en débatte un moment, mais bon, quelques pistes. La nutrition des cèpes, on en parlait un petit peu, la nutrition des champignons dits mycorhiziens. Jean nous expliquait hier que c'est pas si simple. Maintenant, on sait que c'est un rôle aussi, une fonction de type saprotrophe aussi. Comment le mesurer? Les outils de la biologie moléculaire, bien sûr, derrière, qui ont été présentés hier, vont être utilisés pour cela. Il y a quelque chose qui nous... Donc, pour comprendre les cycles de développement mieux, en particulier, le rôle du mycélium au-delà des mycéliums de la mycorhize, le mycélium qui est dans le sol, quel est son rôle, quel est, etc. Il y a quelque chose qui nous importe aussi, c'est finalement la fonction écologique des champignons comestibles. Par exemple, Boletus edulis, on s'aperçoit que souvent on a des très fortes productions dans des écosystèmes qui sont pas équilibrés sur tous les points de vue. Par exemple, des sols très pauvres, etc. Et donc, soit on le voit d'une manière négative, c'est-à-dire on dit bon, un écosystème complètement perturbé produit beaucoup de champignons comestibles. Soit on le voit d'une manière positive, on se dit dans les situations où les arbres souffrent, soit pour des problèmes de gestion, mais aussi pour des problèmes de milieu, un sol très pauvre, eh bien les cèpes aident les arbres à s'alimenter. Voilà, donc c'est important, cette fonction écologique des champignons comestibles. Donc c'est quelque chose qui est important. Ça nous amène ensuite à définir, peut-être à continuer à essayer de définir plus précisément différents modèles de mycosylviculture. Modèles dans lesquels on va plutôt favoriser vraiment la biodiversité, peut-être un peu moins de champignons comestibles, mais une très forte biodiversité fongique. Parfois des cas très spécialisés sur un hectare où on va faire beaucoup de champignons comestibles. Ça sera l'objectif principal. Bon, voilà, différents modèles. Et voilà. Et merci beaucoup de votre attention. Donc. Pues muchas gracias, Jan. Tendríamos tiempo para un par de preguntas. Si no, podemos concentrar todas las preguntas al final de la presentación. ¿Hay alguna pregunta así, vamos a decir, para no perder el hilo? Continuamos entonces y al final de la presentación concentramos más preguntas.